Coucou tout le monde, c'est Emma et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 2 du Kaminari Challenge. Dans le précédent épisode, j'avais perdu le match. Ça veut dire que j'en ai déjà perdu un sur les 4, sur les 5, pardon, autorisés sur cette route. Vu qu'il y a 20 matchs, j'ai le droit de faire ça, de perdre 5 fois. Non, il y a 15 matchs, donc je peux perdre 5 fois. Bref, ça va devenir assez compliqué. J'ai pu prendre un joueur moins bon de l'équipe adverse. Le problème, c'est que je n'avais que Tenma et Petite Tsurugi. Ils étaient tous les deux du même niveau. Et voilà, du coup, j'ai pris Tenma parce qu'il a un moveset un peu plus varié. L'autre, Tsurugi, il avait plus des... En plus, j'ai déjà Yuchi qui est déjà meilleur. Là, j'ai peut-être un milieu de terrain. Voilà, mais milieu de terrain, c'est vraiment de la grosse merde. Mais au final, je préfère quand même utiliser Yuka, quoi. Et d'ailleurs, vous voyez que je leur ai tous donné Kanemochi, qui donne plus de Nekuts Points, donc plus de points pour payer des trucs. Excusez-moi, mais bon. C'est beaucoup plus simple comme ça. Voilà, et deuxième chose que j'ai faite, j'ai donc entraîné Phobos. Et il a accessoirement maintenant le Mishimax avec Ibuki. Donc voilà, il a 427, ce qui est beaucoup mieux. Donc voilà, et je lui ai donné un meilleur moveset, accessoirement. C'est parti pour les Okosama Eleven. Elle était bien cette musique. C'est parti, malheureusement. Le calvaire va commencer. Tulup. Bon. Okosama Eleven, je vais vite fermer le Velux. En fait, il était légèrement... Allez, il était fermé, mais il y avait une petite ouverture et du coup, ça même un petit morceau de lumière, ça me dérangeait. Du coup, voilà, voici la team. Elle a pas bougé vu que j'ai pas mis le petit Tenma. J'ai déjà un Tenma, du coup. Du coup, j'avais pas vraiment envie. Mais sinon, il y en a une qui avait l'air intéressante, c'était elle. Elle est assez intéressante, mais pas non plus super intéressante. Mais bon, elle a quand même Yamano Kokoroe. Mais bon, ils ont aussi tous les objets, ça c'est vrai. Je dois avouer, ils ont tous les objets. Mais bon, elle a quand même Chaos Meteor, Yamano Kokoroe, accessoirement. Regardez, comparé aux autres, ils ont un moveset de merde. Mais bon, après, vous allez me dire, je peux modifier les movesets autant que je veux. Oui, mais ceux que je n'entraîne pas, c'est-à-dire ceux quand je ne perds pas et que je n'augmente pas leurs statistiques, je touche pas au moveset. Je mets juste Kanemochi pour gagner plus de pognon. Donc voilà, je sais pas qui je prendrais au final de cette équipe. Il y en avait même un qui m'avait proposé, bah, tu prends pas Alice maintenant, mais par exemple si maintenant tu trouves pas un joueur intéressant quand tu gagnes, bah, tu prends Alice, bah, peut-être que je ferais ça. Je verrai bien. Mais en tout cas, je le dirai à chaque fois au début de l'épisode, hein. Je le dirai pas à la fin de l'épisode, je prendrai le temps de faire mon choix. Et comme ça, voilà. Je suis peut-être hors jeu là, je pense que je suis hors jeu. Légèrement, mais je pense que je suis hors jeu. Voilà, c'est bien ce que je pense. Oh. Non ! Merde, j'ai été surpris là. Non, je suis un peu trop loin, du coup, je vais juste... Ouais, bien ça ! Galactica Fall. Et en plus, il a fait un miss. C'est magnifique. Ça commence exactement comme dans l'épisode précédent. Est-ce qu'avec 1200, je vais réussir à le passer? Bro, 1204, quoi. Ah, mais il a même pas Shippudash. Oh putain, 729, quoi. Et lui, il a un long shoot. Je devrais peut-être mettre le soul de mon... Mais non, on va pas encore mettre le soul de mon gardien. Pas encore le faire. On va d'abord un peu le tester comme ça, en mode...
Ah, je vais pas dire YOLO, mais bon. Non ! Espèce de bras cassé, va. On est juste devant le goal, les gens. Il est où ? Ah oui, comme c'est mon capitaine, je l'ai mis en devant. Est-ce qu'on met Dragunov ? Non, je me vois plus terminer le match avec Dragunov, donc je vais mettre Pendragon. Okay. Pendragon Solbringa. Hi. J'adore. Dommage parce que sur cette route, il n'y a pas non plus super beaucoup de joueurs connus. Et en fait, j'en ai discuté avec un peu... Allez, discuter. C'était super épique la discussion. C'est-à-dire que... Ouais, bon bref, je vais pas vous donner les détails. Mais il nous disait... Il avait dit comme ça... Allez, il avait dit que... Je me souviens plus de ce que j'allais dire. Je me souviens plus de ce que j'allais dire. Je ne me souviens plus, j'ai une mémoire de... Qu'est-ce qu'il m'avait dit, Kaminari? Ah oui, 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 il m'avait dit de regarder les joueurs qu'il y avait sur la route et de les recruter déjà à l'avance pour que comme ça ils montent pendant le Kaminari Challenge. C'est vrai que j'aurais dû y penser et que je le ferai peut-être pour le prochain ou pour le prochain épisode, j'essaierai de d'en recruter quelques-uns qui m'ont l'air intéressants, voilà. Parce que là j'en ai presque aucun de cette route, même de la route de droite où il y a des équipes un peu plus connues, j'en ai presque aucun. Bref, comment va-t-on récupérer cette balle? De toute façon on va pas la récupérer facilement, donc qu'est-ce que tu veux faire? Je vais juste mettre des joueurs random et essayer de bloquer les attaques, quoi. Non, je vais pas mettre directement le soul de mon gardien. Par contre, Matatagi avec... Matatagi, qu'est-ce que... Tolemaru avec son soul, ça va devenir un peu chaud-chaud, hein. Bon, Lalaya qui arrête quelque chose. J'ai un doute, hein. Non! Isat's Tactics. Non, non, non. Genre, je peux toujours pas utiliser Suck Out. Genre, il est où, Suck Out? Voilà, il est là, mais je peux pas l'utiliser. Chier, va. Attends, mais je peux en fait en utiliser un de 60 et un de 50. Attends, ça fait... Ouais, mais ils utilisent Thousand Road, voilà. Bon, ben voilà. On va le tester, notre nouveau gardien. Allez, nouveau. Gardien amélioré. Côté ping 7. 1434. Est-ce qu'on va l'arrêter? Je l'espère. Ouais! Ça a porté ses fruits et on va reperdre la balle directement, hein. C'est simple. Même avec un coup critique. Oh, bien joué! C'est parti, c'est parti! Mais ce qui est chiant aussi avec ce gardien, c'est qu'il est de type vent, du coup mon Akra aussi est pas super efficace, quoi. Merde, mais pourquoi t'es si fainéant? Ah! Merde quoi, boomerang feint.
Non, mais en plus, il avait... Attendez, attendez, attendez. Ok, j'ai encore assez. Ok. Vas-y, Rin, je te jure, hein, sur la tête de ma mère. Mickey, get up. Je pense qu'avec Capoeira Snatch, je l'arrête. Hein. Oh merde, Dimension Storm. Oh mon dieu. Oh. J'ai peut-être trop augmenté en fait. Je me dis c'était peut-être une mauvaise idée quand même quoi. Parce que maintenant, il est OP quoi. Mais quoi que 1500, je pense que contre cette équipe-ci, ça va encore aller, mais contre d'autres équipes, par contre, là, ça va même pas encore suffire. Quoi. Donc ne vous inquiétez pas, il est pas trop OP. Contre cette équipe-ci, ça va, mais à mon avis, dans un futur proche, ça ne va pas d'aller. On va retirer d'ailleurs le Keshin de ce Yuchi inutile. Ben on va aller essayer de récupérer la balle avec Master Dragon. Allez, vas-y, Lalaya! Non, mais merde! Mais il se chope que des criticaux, là, hein, ce type! Ce Tsurugi, là! Il m'énerve! Le risque que j'ai pris. Miss, merde. Et lui, il a Hakutowashi. Oh, 1609. Puissant. Vas-y Yuka. Vas-y. Vas-y. Non. Mais quel bras cassé. Mais quel bras cassé. Oui, oui, oui. Bien sûr. Chez eux, ça revient chez eux. Mais chez moi, non. Rien du tout. Oh, par contre, il a plus de TP. Ouh, j'ai des chances. J'ai ma chance. Non mais allez quoi. Mais allez. Merde, j'ai pas vu, j'avais pas vu arriver.
Ike. C'est la voix de... J'ai oublié son nom. Là, j'ai envie de me taper, hein, parce que c'est un personnage très important dans Dumbo the Thinking Woods. J'ai oublié son... Haruki. C'est la voix de Haruki, non? C'est pas la voix de Haruki? Izumo Haruki. Drivine. Oven. Non? Vous voyez pas? Moi, je vois. Allez, on va utiliser... Ah, mais non, mais... T'es... Qu'est-ce que j'avais dit avec celui-là? Je dois enlever son soul. Son Keshin plutôt. Merci. Parce qu'il est inutile. Surtout avec 40 KP, je pense. Oui, je pense bien. C'est moi qui ai la balle? Ok, c'est moi qui ai la balle. C'est moi qui ai la balle. Oh merde, je peux plus rien faire. Du coup, il l'arrête. Ok. C'est noté. Putain, mais l'avantage qu'elle avait sur moi. La petite Sakura là. Ah! Le truc a pas su la rattraper. Non, j'ai fait la passe, fait chier. 710, mais bien. Eh, mais eux, ils chopent plein de coups critiques, hein. C'est énervant à la fin. Hein. Merde, et j'ai juste pas assez, je parie, pour truc. Pour sprint warp, go. Luchet. À 7 points près, quoi. Come on! Come on! Attends, j'utilise quoi? Allez, je vais utiliser mon Soul Strike. Miss, ok. Super. Et lui, il a un catchy up level 2. Super. Il y a moyen qu'il l'arrête, hein. Y a pas moyen. Ouais, je pense. Je pense que c'est celle de Izumo Haruki. Y a moyen. Y a moyen. Faudrait idéalement que je chope la balle et que je fasse directement un Shell Beat Burst Long Shoot. Avec qui alors? Fucking... Eh ben comme ça on aura vu ces 4 techniques. Aphobos. En plus de son Soul Strike quoi. Waouh, je vais bloquer un tir avec Ichiajo. Attendez, 1142. Environ 79. Je me souviens plus des chiffres mais je pense que c'était 79. Oh. Toutes ces techniques lui vont bien, je trouve. Hein. Mais bon, c'est gagné.
J'ai enfin gagné contre les Kodomo Eleven. Je les appelle comme ça, hein, c'est parce que ce sont les petits. Ah ben voilà, ils chopent des trucs. J'ai quand même récupéré 6720, hein. Grâce à tous les Kanemochi que j'ai donné, 6720. C'est super, c'est super. Jay qui a quand même monté directement... Ah mais non. J'ai fait quoi? Un défi, je pense. J'ai fait, je pense, un défi. Un voire deux défis. Non, j'en ai fait deux. J'ai fait deux défis. Okosama 11. Ok. En A. Et les prochains, ce sont justement les Onesama 11. Donc les adultes, quoi. Non, il n'y aurait pas genre Endo. Il n'y aurait pas genre Endo adulte. Ah mais non, mais c'est... C'est à qui je pense. C'est à qui. Bon, je vais pas vous spoiler ça en tout cas. Moi je vais vous dire au revoir, salut, bonne journée, à la prochaine. Au revoir, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode.